Culture Minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 3, début de soirée à Dobuta. Alors, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus sur cette saga, donc on avait quitté, rappelez-vous, le coiffeur Liu Barber, et qui nous avait parlé justement de son grand-père, en nous expliquant qu'on pouvait avoir quelques informations précises en plus sur ce fameux Landy. Donc on va y aller sans plus attendre. Donc là actuellement il est 6h30, il est 6h30, il n'y a plus personne. Donc vraiment, même au niveau du temps, on voit que le temps change. Je vais y arriver, j'en bafouille. Le temps change en fonction de l'heure. Donc à partir de 5h, il commence à faire noir. Et c'est à partir de 7h, le soleil commence à se coucher. Et à 7h, il commence vraiment à faire noir. Avant juste d'aller voir cette personne, on va aller se boire un petit coca. Et pour vous montrer la petite différence, allez... Pourquoi il n'y arrive pas? Voilà. On voit déjà une différence sur le distributeur de coca entre la version nippone et la version, version américaine, européenne. Et du coup, toutes les marques ont été remplacées par des marques low cost, on va dire. Le coca, c'est du Jet Cola. Le jus d'orange et le jus de raisin, sur la version nippone, c'est du Sprite. Et par contre, ici, le Wellwood Coffee, peut-être le Bellwood Coffee, je ne sais pas ce que c'est. C'est du café froid, je connais pas du tout cette marque, mais en tout cas, tout ce qui a été fait dans la version nippone est du sponsor Coca-Cola Company. Donc du coup, bon, on va se prendre un Coca-Cola, un Jet Cola, tout ce qui est de plus banal. Et chose qu'on avait déjà vu dans le What's Shenmue à l'époque. Bon, par contre, cette séquence a été retravaillée, puisqu'avant c'était tout sur une prise, là vous voyez que ça a été en deux. Et on va aller voir justement le grand-père de Liu, qui est vraiment juste à côté de la salle d'arcade. Ah, good. Alors c'est le seul truc qu'on peut faire, mais bon, qui sert à rien, mais qui est vraiment sympa à voir. Et là, quand il sera 7h, bon là, ça sera pas vraiment le cas, mais normalement, il y a une petite musique qui va retentir. Et là, on va aller voir le grand-père. Are you Diu, son? Yes, I am. And you? My name is Dio Hazuki, from the Hazuki Dojo in Yamanose. Ah, I've heard what happened to your father. My condolences. What can I do for you? I'm looking for a Chinese man who calls himself Lan Di. Three Blades members like Aiji Ichi's Tao Sun suggested that perhaps you might know. Ah, you know of the Three Blades. I know it refers to the three professions, barbers, cooks, and tailors. That it does. Did you know that the proud elite of these professions were also imperial bodyguards, protecting emperors from assassinations with their razors, knives, and scissors? About Lan Di? I gather by his name that he is most likely a member of a Chinese black market cartel. Or perhaps even the Chinese Mafia. Would they be here in Yokosuka? They have developed a base in the harbor to bypass customs and expand their activities. Try asking some of the sailors in the vicinity. They're bound to know more. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. Donc là, voilà cette fameuse séquence dont je vous parlais. Dès qu'il est 7h du soir, on aura tous les jours, à 7h précise, cette petite séquence, peu importe qu'on soit, à Yokosuka, à Dobuita, ou peu importe l'endroit du jeu, mais vous aurez toujours cette séquence. Donc là, du coup, on nous a parlé de marin. Alors, on va revérifier. Alors, dans le notebook, les marins qui travaillent à Hong Kong ou à Shanghai... Mais qu'est-ce qu'ils font exactement dans la mafia chinoise? Il faut donc trouver des marins. Et donc, si on parlait de début de soirée à Dobuita, qu'est-ce qui est ouvert le soir? Bah des bars. Donc du coup, on va aller au bar Yokosuka, ou au MGQ, je crois. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, il y aura toujours une heure de fin à chaque journée, puisque vous savez qu'on peut pas... Le jeu ne peut pas être un... Une journée en continu, si je puis dire. Le jeu donc va commencer à 8h du matin et va se finir très précisément à 23h. Donc quand les 23h vont passer, voilà, lui est complètement bourré. Dès qu'il est 23h, on rebascule directement dans le dojo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... c'est celui-là, je crois. Ouais,
C'est le Mario Kuzuka, donc on va aller là. Excuse me. Oh, hey, Rio. I can't serve you alcohol, but have a seat. Thanks. How about a cola? Sure. So, what's up? Saijo-san, do you know any places where sailors like to hang out around here? You say sailors, but you don't mean just any sailor, do you? Right. Try the MJQ Jazz Bar or Heartbeats Bar. Is that where they go? But you best be careful. I hear they run with a dangerous crowd. Any guys with tattoos on their arms? You'll probably find guys like that there. That's all right. Donc vraiment, cette vidéo va uniquement se concentrer sur ce début de soirée. Ah, Akemi-san. Apparemment, vous voulez peut-être nous dire quelque chose. You're still a minor. Ine-san's worried, you know. Ah, apparemment, il faudra vite rentrer. You need to go home now. You know you're too young to drink. D'accord. Understand? Donc éventuellement, comme les avant le rapport. Alors je sais pas si au Japon 18 ans c'est la majorité. Est-ce que c'est aux États-Unis comme aux États-Unis pour avoir la majorité il faut avoir 21 ans. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les deux bars, donc le MJQ et le Heartbeats Bar, et on va rentrer à la maison. Donc cette vidéo sera vraiment courte. Tout ce qu'il y a de plus banal. Donc le MGQ, il est, je crois qu'il est à côté. Voyons voir. Donc là, on a le. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous fait là? On a le Toon, c'est ça non? Qu'est-ce que c'est ça? Bar Toon, mais c'est pas celui-là puisqu'il est fermé. On a Bob's Pizza, on a le snack. Là, on a le les trucs à machine à sous. Alors où est le MGQ? MJQ, je crois qu'il était de l'autre côté en fait. Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur une petite vidéo, enfin sur la saga Shenmue. Mais ouais, du coup, on va s'y remettre sérieusement. Est-ce que c'est là, non? Non, ça c'est le même Pukuken. Diamond Rocks, c'est pas ça non plus. Mais je sais que c'est dans ce coin-là. Ah, voilà. Attendez. Jazz Bar, voilà, le MJQ est ici. Voilà, je disais bien que c'était voilà. Alors, je voudrais qu'on reparle un petit peu quand même des États-Unis avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez pu voir justement cette vidéo où je l'ai vraiment fait sur le cœur. Et c'était pas de la rigolade. Déjà, en plus de ça, j'étais en pyjama, donc j'étais levé depuis 6h du matin pour dire à un point que ça m'a vraiment monté à la tête et ça m'a vraiment travaillé ce truc-là. Et malheureusement, c'est une triste vérité. Enfin, Donald Trump, président des États-Unis pour le 20 janvier prochain. Yeah. What? Alors du coup, je me demande comment ça va se passer maintenant que le temps est passé, puisque ça fait déjà une semaine à l'heure à laquelle je vous parle, parce qu'on est mercredi 16 novembre. Okay. Dans 2 mois exactement, dans 2 mois et 4 jours, on va voir ce que ça va donner. Mais personnellement, moi, pour le monde, je suis pas trop rassuré, mais on verra bien comment tout cela va se passer. Puisque j'entends des voix à droite à gauche en disant que ça va pas être un bon président et tout, que déjà d'une il refuse de toucher son salaire et c'est quelque chose qui m'a surpris. Et on verra bien comment ça va se passer, mais bon. Ah voilà, je suis pas tout de suite à dire qu'il est mauvais alors qu'il a pas du tout pris ses fonctions. Comme je le rappelle, il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Alors que chez nous c'est un petit peu différent, on ne peut demander pas pourquoi, il y a toujours une petite dizaine de jours entre le moment où le président se fait élire, enfin le nouveau président se fait élire et qu'il prend ses fonctions, alors qu'ici il y a au moins plus de 2 mois d'intervalle. Donc là, on va essayer de trouver des marins. Enfin, est-ce que ces gens-là sont-ils des marins? On n'en sait rien, donc là il faudra essayer de gagner cette petite partie de billard. Alors je l'avais fait une fois quand j'ai fait cette partie et je l'avais loupé concrètement. Alors par contre,
comment je fais, je me souviens même plus. Alors avec la caméra dure, regardez bien votre position et décidez, appuyez sur A pour passer à la vue de près et réglez nanana, B pour revenir à la prise de vue d'origine, appuyez sur le A pour envoyer la bille blanche. Attendez, appuyez sur A pour passer à la vue. Voilà. Donc là, il faudra... Voilà, ok. Je crois que c'est ça. Hein. Donc là, il faut... Tac. Normalement, il faut qu'elle rebondisse sur la gauche. Donc, j'espère que je ne suis pas planté. Et c'est bon. Oh, putain, j'étais à deux pas. Merde. J'étais à deux doigts de l'avoir. Dommage. Donc du coup, bah, je vais devoir filer du pognon... pognon barman. Enfin, pognon au gars. Dommage. Je crois que c'était un peu moins à faire. Set him up. Bah du coup, ça me fait 1000 yens en moins. Bon bah c'est tout. Et on ressort directement, je pense. Ouais, et en plus on ressort directement de Dobuta, donc je me souvenais même plus de ça. Alors que normalement, si on avait réussi à mettre la balle dans le trou, on reposait la question aux gars en leur demandant s'ils étaient de la marine. Enfin, s'ils étaient marins, du coup, et qui disaient tout simplement non, nous sommes que des ouvriers, les marins boivent un coup au Heartbeats Bar qui est juste ici en fait. Donc, le Heartbeats Bar, c'est là. Et on va assister justement à la première séquence de QTE. Donc, le Quick Time Event, et justement, ce qui est très bien, c'est que si je vous en ai déjà parlé, mais je pense que vous en souvenez peut-être pas. On va justement interagir sur la scène, strictement rien à voir avec les Dragon Slayer ou autres jeux. Donc là par exemple, je vais vous donner un pur exemple, je ne vais pas appuyer sur la première séquence et vous allez voir que justement je vais pouvoir me rattraper en question. Et c'est ça qui est génial. Alors regardez bien. Hop. Voilà. Alors c'est bien, ça peut être direct, ça peut être avec un petit décalage, du coup quand on vient de louper la première séquence, on peut vraiment se rattraper, c'est ça ce qui est vraiment génial. Donc là il est 21h pétante et on va essayer enfin de savoir à propos du cartel chinois, enfin, je sais pas si c'est vraiment le bon mot approprié. Et puis voilà. Welcome. Here you go! Milk's perfect for a schoolboy, I'd say! Are those guys sailors? Maybe. I'm looking for sailors who work with Chinese ships. What are you, some kind of TV detective or something? Back off! You little punk! You looking for some of this? Ah, encore une fois une vidéo sympa. You stupid! Ah merde. Ah putain, je viens de me faire niquer. Et du coup, ce qui est bien dans ces trucs là, c'est que quand on se loupe vraiment dans une séquence comme ça, il faut la refaire une fois de plus. Donc là du coup, bah des fois on a toujours une chance de se rattraper et là si on vraiment se plante, on est obligé de recommencer à zéro la séquence cinématique du début jusqu'à la fin ou essayer d'avoir une concrétisation en question. Are those guys sailors? Maybe. Donc vraiment, c'est très rare que je me plante sur des trucs comme ça. Ships. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les touches en question pendant la cinématique ne changent pas. En fait, ce sera toujours le même truc. On va recommencer. Voilà. Ensuite, A. Hop. Et là, B. Voilà. Voilà. Et on est plein sa gueule à ce barbu de merde. That's enough. You put on quite a show, boy. I'm looking for info about a Chinese cartel. I'll tell you. What? In return, you don't show your face here again. Okay. Look for a guy named Charlie. Charlie? He deals in smuggled goods. He's well known in the underworld. He should know about the Chinese cartel. Where is he? He loves his hog. Try asking at the motorcycle shop nearby. What's he look like? He always wears shades and a black leather jacket. And he's got a tattoo on his arm. A tattoo on his arm? Enough talk. Now get out. Et encore une fois, on ressort de Dobuta.
Donc on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus avec ce Charlie. Ce Charlie justement qui porte un tatouage et qui fait apparemment partie d'un gang de motos. On va essayer de demander tout de suite. Maintenant il n'y a personne. Alors je suis en train de me demander si là, cette fille ne serait pas une prostituée. On va voir quand même. I'm looking for a guy named Charlie. Charlie? He wears a black leather jacket and sunglasses, and has a tattoo on his arm. Hmm. I've never seen him. But more importantly, you do have time to come in, right? No, I'm in a hurry. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça a l'air d'être un peu une... Yeah? Do you want something to drink? Ça m'a l'air d'être une prostituée, no, je thanks. Crois, si je dis pas de conneries. Oh, that's a shame. Mais bon, vraiment, vraiment, quoi qu'il arrive, si on repose la question à cette femme, ça sera toujours la même réponse. Désolé, je suis pressé. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. On va rentrer à la maison, du coup, puisqu'on doit... On a eu le retour de... Je ne me souviens plus du nom, du reste. Ça sera indiqué en bas de l'écran. Du coup, voilà. Et on va rentrer, puis on va entamer le prochain épisode, donc le quatrième épisode, qui sera jour numéro 2, puisqu'on est encore une fois sur la première journée d'enquête de Rio. Mais là, du coup, on va prendre l'autre chemin, donc on va faire une boucle. On va pas repasser par l'escalier comme on avait fait au tout début, rappelez-vous. Et on va passer, du coup, à Sakuragaoka, mais là, du côté où il y a le parc, où, justement, la vieille dame nous avait attendu pour retrouver ce Yamamoto-san, si mes souvenirs sont exacts. Et voilà, donc là du coup je crois qu'il faut remonter ici, ouais c'était là, hop. Donc c'est vraiment calme de chez calme. Alors je voulais aussi parler de la musique du Herb Beats Bar où on était tout à l'heure, où j'ai dû recommencer deux fois cette séquence, j'espère que ça n'arrivera plus. Il y a eu je crois 5 ou 6 albums, si mes souvenirs sont exacts, sur toute la saga de Shenmue. Alors tiens, est-ce que le petit chat est encore là? Tiens, on va lui faire un petit coucou. Hop, allez, viens mon coco. Est-ce qu'il est là? Ouais, il est encore là. On peut même le regarder si on veut. Alors, je m'étais trompé. On va le regarder. On peut même tourner la caméra si on le veut. You look good. Hey, see you soon. There, there. Good kitty. On peut même aller le voir. D'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire pour le prochain épisode, c'est qu'on va retourner dans le dojo. Alors, pourquoi il ne marche pas? Alors là, c'est assez chelou. Voilà, bah oui. Alors, apparemment, je crois qu'il y a certains endroits où il ne peut pas marcher. Donc, c'est assez étonnant. Donc là, on va retourner dans le dojo. Et justement, Inessa va nous demander, pour le prochain épisode, je vous spoil légèrement encore une fois, va nous demander justement de rentrer un peu plus tôt sur les prochains jours, parce que c'est comme ça. Mais donc voilà, 10h08, et quand il sera 11h, normalement, la montre va sonner, et vous basculez directement sur la résidence. Alors, ce qui est bien aussi sur le deuxième jour, quand vous allez voir sur le prochain épisode, quand on sera prêt à sortir du dojo, il y aura justement une sélection en bas à gauche de votre écran qui vous dit où est-ce que vous voulez atterrir, et plutôt que de se retaper tout le chemin. Mais bon, sur certains points de détail, on refera le trajet habituel. Et du coup, on va se faire une petite sauvegarde. Mais juste avant, je crois que normalement, si tout va bien, Inessan va nous faire part d'un petit message. Ouais, voilà, c'est bien ça. Noh-san, you're home. Oh, hi Inessan. I was worried because it was getting late. Don't worry, I'll always be home by 11 o'clock. I do not wish to nag you, but... Yes, I understand. Voilà, donc du coup, on va rentrer à la maison. On va aller dans la chambre. Hop. Alors par contre, il faut se retaper une scène. Ah non, il faut pas se retaper une scène en plus. Mais justement, on va se quitter là-dessus. On va sauvegarder tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Ça a été un petit peu spécial, effectivement, parce que c'est vrai que ça faisait à peu près 2-3 semaines que j'avais pas repris cette saga. Donc, on a le temps de se remettre dans le bain. Et puis, hop. Rouler jeunesse, comme on dit. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Donnez-moi vos retours dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. On se retrouve très rapidement pour le prochain épisode de Shenmue, jour numéro 2. Sayonara Tomodachi!